Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Dans l'Antiquité, c'était pour pêcher. Aujourd'hui, au-delà des records, vous allez voir qu'on s'arrête aussi de respirer pour découvrir un autre monde, ou simplement se découvrir soi-même. L'apnée est en pleine révolution. Septembre 2019, la Côte d'Azur accueille le mondial EDA de l'Association internationale pour le développement de l'apnée. Dans la baie de Villefranche, à la parade, une nouvelle génération d'apnéistes arrive. Plus de 130 compétiteurs, 47 pays, du jamais vu. Et au centre des regards, le jeune russe Alexei Molchanov, nouvelle star de la profondeur, c'est le fils d'une apnéiste de légende, disparu en plongée. Allez, on part à 2:30. Alexei Molchanov, Russia. Okay. Avec sa monopalme ce jour-là, il égale son propre record du monde à 130 mètres. Il décroche la médaille d'or après 3 minutes 50 d'apnée. This depth is never easy. Cette profondeur, c'est jamais facile, mais j'étais confiant. En fait, je m'étais vraiment bien entraîné pour ces 130 mètres, et cette profondeur était idéale pour moi, je me sentais bien. Les performances déclenchent l'admiration du public. Jusque-là, l'apnée restait peu médiatisée, confidentielle, mais cette fois, la compétition est retransmise sur écran géant, en direct sur les réseaux sociaux, et il y a même des courageux qui sont venus au bord de l'arène en pleine mer. Extrême quand même, hein. Donc ça fait rêver. Hein. Nous on nage beaucoup en mer, on plonge un petit peu en bouteille, et le fait de voir les voir descendre comme ça, c'est très impressionnant. Beaucoup beaucoup de stress. Admiration plus forte encore pour ceux qui changent de vie pour leur passion. Abdelatif était chef de chantier à Martigues. Un jour il a tout abandonné, le voilà athlète aux côtés des meilleurs, et il ne regrette rien. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne se jette pas comme ça en disant « Allez, je me jette à l'eau parce que c'est calculé, j'avais un peu d'économie de côté, j'avais prévu un peu, fait un plan sur l'année et à voir comment ça fonctionne aujourd'hui. » C'est comme tout athlète, on essaie de trouver des sponsors et pouvoir, voilà. Et deux médailles au Mondial avec une très grosse émotion. Bravo, bravo. Abdelatif réalise que son pari a fonctionné. Finalement, il arrive à vivre humblement de ce sport, comme quelques autres d'ailleurs. Et cela, sous les yeux d'un certain Claude Chapuis. 35. Le mondial, c'est un peu grâce à lui. Chapuis, c'est l'ancienne génération. C'est l'un des fondateurs de l'apnée en France. D'ailleurs, c'est ici, entre Villefranche et Nice, que l'histoire a commencé. À la fin des années 80, une bande de copains de la fac des sports s'amusait à plonger. C'était au moment de la sortie du film Le Grand Bleu, sur les duels des premiers apnéistes Mayol et Mallorca. Ces copains-là, en fait, étaient en train d'inventer un sport. Très rapidement, les allumés du Grand Bleu, après 1988, ils faisaient n'importe quoi dans leur petit coin de planète. C'est vrai, on peut le dire. Hein. Ah oui. Et donc, on ne savait pas qui était le meilleur, quelque part. Il n'y avait pas de règlement. Hein. Et donc, on a dit, on va écrire des règles et on va essayer de commencer à homologuer les records parce qu'il n'y avait rien. Personne ne s'occupait dans le monde de cette nouvelle génération, là, issue du Grand Bleu. Voilà, je me souviens, c'était grave à l'époque. Hein. Ah ben, il n'y avait aucun cadre. Il y avait des gens qui faisaient des trucs dans le lac Titicaca,
avec des palmes, sans palmes, dans un tonneau, n'importe quoi. Il y avait et en baignoire aussi, dans la baignoire. Ouais. Dans le groupe des Niçois, le jeune Loïc Leferme a pris l'ascendant. Il plongeait avec une gueuse, c'était ce qu'on appelait du no limit. Un record à 171 mètres, modèle de la génération 90. Il a été un des premiers à en vivre aussi, c'est-à-dire de se lancer totalement dans l'aventure, sans arrière-pensée, sans garde-fou en fait. Au niveau de notre vie personnelle, un jour il m'a dit ben, « j'arrête tout et je ne vais faire que de l'apnée » alors qu'il n'était rien. Il n'avait pas encore de record de France, c'était avant le record de France. Et il a tout arrêté, ce que son travail qu'il avait à l'époque, pour totalement se consacrer à l'apnée d'une manière totale. Mais aujourd'hui, Loïc le surdoué n'est plus là. Lors d'un entraînement, les câbles qui devaient assurer sa remontée se sont enchevêtrés. Il y a une page qui s'est refermée, c'est l'aventure du groupe, je vais presque oser le dire, pas créé par moi, créé par Loïc. Là, vraiment, les gens ont dit, bon, on arrête. Donc je sais que Pierre à Monaco a dit moi j'arrête et on s'est tous regardé, on s'est dit mais c'était une belle aventure mais est-ce que ça en valait la peine ? Le groupe niçois avait déjà perdu un autre copain, Cyril Izoardi. Alors, après la mort de Loïc, la plupart des allumés du Grand Bleu ont stoppé les records et travaillé plus que jamais sur la sécurité. En tête, le monégasque Pierre Frolla, 4 fois champion du monde. Au fil des années, il a mis en place une école d'apnée et surtout des procédures très précises. Je vais venir me placer sous son aisselle. Et là, ma main, elle va venir couvrir sa bouche pour faire étanchéité. Avec des bénévoles, Pierre a assuré toute la sécurité du Mondial 2019. Il a réalisé des heures et des heures d'entraînement. C'était pas super étanche à droite. Préconise ça vraiment, c'est vraiment mieux. Parce que tu vas pouvoir mettre tes doigts de part et d'autre du pince-nez. Et surtout, tu as la certitude de me fermer la bouche. Et pour aller plus vite, l'équipe des sauveteurs s'est même dotée de propulseurs sous-marins. Ils peuvent remonter une victime à 1 mètre par seconde. Dans la nouvelle apnée, Pierre veut professionnaliser les secours. Toutes ces techniques ont très bien fonctionné à Villefranche, heureusement. Mais peut-être un peu trop. Au Mondial, il y a eu de très belles performances, mais aussi beaucoup de malaise, de syncope. La nouvelle vague d'apnéistes arrive, oui, mais beaucoup d'athlètes surestiment leur capacité. On laisse revenir. L'équipe a dû notamment sortir de l'eau une concurrente japonaise qui n'arrivait plus consciemment à lâcher le câble. Les juges lui ont pourtant donné une médaille d'or. Coup de colère de Pierre Frolla. Il veut des sportifs totalement lucides à la sortie de l'eau. Il a même envisagé un moment de faire grève. Alors c'est un putsch, c'est une grève, c'est peut-être un coup de gueule, on appellera ça comme on veut. C'est simplement le moyen à un moment de défendre ce sport, de dire aux parents qui nous regardent, l'apnée, ça n'est pas ça. Ça existe dans le sport de l'apnée, mais ça n'est pas ça. Vos enfants peuvent pratiquer sans risque. Vos enfants peuvent aller à la mer, faire de la randonnée palmée, nager avec les champions, nager avec les moniteurs. Ils ne risquent rien, mais pour qu'on puisse leur dire ça, ça n'est pas ça qu'on doit leur montrer. On n'a pas le droit de valider ça. Dans quel état physique précis l'athlète doit ressortir pour valider sa performance? Les règlements vont-ils évoluer? La question est posée. Les juges ne ferment pas la porte pour de futurs championnats. Chaque championnat est de mieux en mieux. Au fur et à mesure, on améliore les règles, les procédures avec l'ensemble des nations participantes. L'apnée est encore un sport jeune.
Un sport tellement jeune que l'on n'a aucun recul sur les conséquences physiologiques de l'apnée. Pour Carl Willem, médecin sur la plateforme du Mondial, ces malaises ne sont pas anodins et peuvent compromettre le futur des sportifs. Donc on prend en charge l'accident le plus tôt possible en donnant de l'oxygène et on l'amène le plus rapidement possible pour le diagnostiquer. Et puis ensuite, on reverra la patiente pour discuter en fait des mesures préventives pour le futur et surtout la reprise, si possible, de la plongée. Là, c'est difficile pour l'apnéiste d'entendre parfois des choses comme « vous ne pouvez plus plonger en profondeur » ou « vous ne pouvez plus faire de compétition ». Un des dangers, c'est l'édème pulmonaire, du liquide dans les poumons qui va gêner les échanges d'oxygène ou de gaz carbonique. À 50 ou 60 mètres, sous l'effet de la pression, nos poumons rétrécissent et ont la taille d'une petite orange. Tous nos organes vont se mettre alors en mode économie, comme ceux des mammifères marins, quand ils arrêtent de respirer pour chercher à manger. À Monaco, le docteur Philippe Afria a fait des études comparatives sur l'homme, les dauphins et les otaries, et il a retrouvé des similitudes. Des réflexes respiratoires qui remonteraient à une origine commune il y a des millions d'années. En ce qui concerne l'apnée, l'adaptation concerne la privation de l'oxygène, c'est-à-dire tel tissu va pouvoir fonctionner de façon normale malgré la privation d'oxygène. Chacun peut essayer de retenir sa respiration. Si vous n'êtes jamais entraîné, vous allez tenir 30 secondes sans pouvoir respirer. Et vous allez voir que progressivement, en vous entraînant, ben vous allez arriver à plusieurs minutes, même si vous n'êtes pas un apnéiste de compétition. Eh bien, à l'intérieur de vos tissus, c'est la même chose. Vos poumons, vos reins, le foie, le cœur, le cerveau vont avoir une capacité de résistance à la privation d'oxygène. Et c'est ça l'adaptation. Thomas Bouchard est l'un des espoirs niçois de l'apnée en poids constant. Et voilà, tu vois quelques petites électrodes et c'est parti. Et on le retrouve pour une visite annuelle chez le docteur Willem. Comme toute l'équipe de France, Thomas est porteur d'un nouveau message. Être à l'écoute de son corps et adhérer à un suivi médical. Oui, oui, oui. C'est, pour moi, c'est les balbutiements. On a la chance ici à Nice voilà, d'avoir le bureau de Carl où on peut venir ponctuellement, mais c'est des choses qui sont complètement marginales, qui ne sont pas institutionnalisées comme dans d'autres activités. Et pourquoi ? C'est un sport qui est jeune, c'est un sport qui brasse peu de moyens. Les apnéistes eux-mêmes, déjà difficilement subviennent à leur propre entraînement. Voilà, c'est les problématiques du sport amateur, en fait. Carl Willem, lui, veut faire bouger les lignes et rendre la surveillance obligatoire pour tous. Clairement. Donc, on appelle évidemment à évaluer nos apnéistes, nos plongeurs en général, sur leur aptitude. Donc, on doit évaluer à la fois le cœur, on doit évaluer les poumons, on doit évaluer les muscles, et idéalement, on devrait évaluer aussi le cerveau. Au-delà du physique, la nouvelle apnée s'appuie beaucoup sur les capacités du cerveau. Ces tendances, la nouvelle génération explore l'introspection, la maîtrise de soi. Alice Modolo est dentiste, devenue apnéiste, 87 mètres à Villefranche, meilleure française à la Palme. Et à l'origine de sa progression, la préparation mentale, un travail sur ses peurs, sur la concentration extrême. On ne devient pas sportif de haut niveau parce qu'on a tapé un jour dans une porte et on s'est dit « je vais le devenir ». C'est qu'à un moment, il a fallu avoir envie de dépasser des limites, avoir envie de se confronter aux autres, avoir envie d'aller au bout de soi-même. Et toutes ces choses-là ramènent à soi, ramènent à ce que je suis. Et très souvent, si je ne dis pas 99% du temps, un sportif de haut niveau,
comme un être humain lambda, il a des blessures, et ces blessures, il va essayer de les compenser justement avec le sport, il va essayer de devenir plus fort parce qu'il a été faible à un moment, etc. Je pense que vraiment un sportif est sur un chemin et il a besoin de se connaître lui-même. Pour moi, l'apnée, c'est vraiment le miroir de soi-même et j'aime bien voir comment j'évolue sur terre et dans l'eau. Et je trouve que les deux se font écho. Et donc, plus je descends profond, plus je trouve que j'ai évolué sur certains aspects de moi en général. L'apnée qui fait grandir et qui apaise. À 23 ans, le Marseillais Arnaud Gérald confirme. Cette année, il a battu le record du monde en bipalme. Il a surtout battu un vieil ennemi, l'échec scolaire. Au-delà du chiffre, des records, tout ça, finalement, tout ça, c'est qu'un prétexte, c'est qu'un jeu. On ne peut pas faire un sport aussi extrême juste pour le dépassement de soi ou juste pour le plaisir. C'est aller se chercher vraiment au plus profond de soi, aller chercher le meilleur de soi-même et aussi apprendre à se découvrir de plus en plus. J'ai découvert cette discipline à 16 ans, ça a été mon éducation. Donc j'ai pu me faire confiance, gagner en maturité et aussi... vaincre un petit peu les difficultés de la dyslexie que j'avais petit et en faire une force aujourd'hui. La profondeur comme un jeu ou comme une quête d'authenticité pour Morgan Bourkis. Multiple champion, c'est l'un des trois hommes au monde à être descendu à plus de 90 mètres en brasse. Il met une nouvelle dimension à sa discipline. Sa révolution à lui, c'est comprendre l'évolution de l'homme. Nous avons déjà été faire un repérage en janvier dernier en Norvège, où je vais plonger avec les orques et les baleines à bosse, notamment, sur toute une problématique en fait, de recentrage de l'homme par rapport à l'élément naturel et par rapport au sauvage. Mais qu'est-ce que le sauvage? Pourquoi est-ce que nous, on s'est extrait de ce monde sauvage, alors que nous sommes des animaux à la base aussi? C'est-à-dire qu'on avait une collaboration homme-nature beaucoup plus importante auparavant, alors qu'aujourd'hui, l'homme se situe beaucoup plus sur une pyramide dans lequel il va dominer en fait la nature. Autre voyage éducatif, ceux de Guillaume Néry, champion et icône niçois. Il a mis la compétition entre parenthèses pour faire des films, un peu comme des contes. L'apnée, comme une écriture, pour montrer la planète. C'est universel, une histoire. Les histoires, c'est les légendes, les mythes, les contes, c'est ce qui reste dans le temps. Et c'était un peu l'idée dans ce One Breath Around the World. Moi, je voulais raconter un voyage, parce que le voyage, c'est quelque chose de très personnel, l'Odyssée, et utiliser le monde sous-marin comme un décor, et que ça soit réel. Raconter une histoire imaginaire, mais en utilisant que du réel. Moi, je suis réel. Tous les décors, les animaux sont réels. Et donc, le monde, la nature, ça a quelque chose de magique. Il suffit juste de créer les conditions, d'attendre, d'être patient et de le raconter de cette manière-là. Et c'était ça le but, de raconter le monde sous-marin avec un œil magique. L'apnée qui évolue encore avec Julie Gauthier, caméra-woman des films de Guillaume. Elle vit aujourd'hui avec l'urgence de sauver la planète, mais elle a été une des premières au monde à mettre une dimension artistique dans ce sport. Elle ne voyait plus du tout l'intérêt à battre des records, alors elle s'est mise à danser. La performance, finalement, c'était pas mon truc, mais j'avais cette capacité à rester en apnée, qui était quand même assez incroyable. Et je me dis, putain, je peux quand même pas la mettre de côté, je dois l'utiliser pour faire quelque chose. Ce
sur Terre, on est, on a le poids, son propre poids, on a le poids de la technique, mais dans l'eau, je vole. Dans l'eau, j'ai une capacité extraordinaire. Je suis dans mon élément, je suis chez moi, je suis portée. Cette impression d'être portée, cette liberté absolue dans le haut, le bas, il n'y a plus de limite. Et ça, ça permet de se livrer complètement. Et elle est peut-être là la vraie révolution aujourd'hui de l'apnée. C'est plus seulement une descente verticale au fond, dans le noir, réservée à une élite. L'apnée devient vecteur de liberté avec de l'esthétisme. Je pense que c'est un phénomène de société et ce n'est pas lié que à l'apnée. Je pense qu'il y a une vague de sport, d'activités simples, accessibles à tous, en lien avec la pleine nature, qui est en train d'émerger. Et l'apnée a pour elle ce côté fascinant. Et elle a la beauté des images. Et à l'ère du développement des réseaux sociaux, d'Internet, c'est vrai qu'un film d'apnée va transporter instantanément le spectateur dans une autre dimension et va vraiment créer une vraie fascination. Néri Gauthier Frola Bourkis, des millions de vues sur le web qui donnent envie aux jeunes de jouer avec l'eau. La nouvelle vague, c'est la génération plaisir qui arrive. À quelques mètres de profondeur, sans bouteille de plongée sur le dos, Marine et Anthony se régalent au large de Monaco. Il y a des stages d'apnée et j'en avais jamais fait avant. Et du coup, ça m'a donné l'envie de le faire et surtout me débarrasser de la bouteille et avoir d'autres sensations. On se fait des petites après-midi apnée pour savourer le moment, pour kiffer vraiment sous l'eau, parce qu'on oublie vraiment tout problème, c'est vraiment un autre monde. Il n'y a aucun bruit, il y a juste nous et l'océan. Je m'engage avec courage et passion. Je m'engage avec courage et passion. À protéger tous les animaux marins. À protéger tous les animaux marins. Les petits cachalots de Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est la dernière génération d'apnéistes. Régulièrement, des enfants sont accueillis ici, dans la seule école publique de la mer et de l'apnée en France. C'est le conseil départemental des Alpes-Maritimes qui la gère et qui a aussi permis l'organisation du Mondial 2019. On va utiliser une technique pour descendre sous l'eau qui s'appelle le canard. Ok. Donc vous avez déjà essayé de le faire plusieurs fois, puisque c'est votre quatrième séance, l'avant-dernière. À cette séance, on va essayer de le refaire. Le but, c'est de le faire le plus parfaitement possible pour imiter les animaux. Et à la direction de l'école, on retrouve Olivier Heuleux, un ancien de la fameuse bande des Copains de Nice, il y a 30 ans. Aujourd'hui, son discours a totalement changé. C'est zéro compétition. Vraiment, on enlève toute notion de profondeur, de temps, etc. Même si les grands, ils ont quand même un petit peu envie, ils te demandent toujours un petit peu. Mais ça, on essaye d'enlever les maîtres. Et ça, justement, c'est à force de leur inculquer ça. Et je crois que c'est la plus belle des écoles, la plus belle des manières d'évoluer. On évolue pour le plaisir. Et il n'y a aucune notion de compétition, je suis meilleur que toi, etc. Et le message a l'air de bien passer. Simplement avec un banc de castagnoles, de sopes, ou la découverte des roches de la pique du Cap Estel. C'est une autre sensation. C'est vrai que passer de sur la terre à respirer, à toujours être dans notre monde, dans notre point de confort, et de passer dans la mer à un monde complètement différent, c'est une sensation qui est extraordinaire. Et c'est trop bien de se dire qu'on est là, on peut fermer les yeux, ouvrir les yeux, on fait comme on veut et se dire que on est en dessous de l'autre monde. Et c'est eux, les petits frôlins, les petits modolos en herbe, qui vont achever la révolution de l'apnée. Retenir son souffle, c'est regarder, surveiller le monde actuel, mais avant tout, c'est promettre de le protéger.